Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te remercions, nous te bénissons, nous te glorifions, nous te rendons grâce, Seigneur, pour l'immensité de ton amour pour chacun de nous, pour l'immensité de ta tendresse pour toutes les créatures que tu as façonnées par amour, pour ta vie divine qui coule dans tous les êtres, pour ta divine volonté qui en sait toute réalité, et pour ce que tu veux réconcilier l'humanité à toi, en lui permettant de retrouver la place, le rang et le but pour lequel il a été créé. Seigneur, nous te bénissons infiniment pour cette heure précise où tu rends ton âme à ton Père. Et en rendant ton âme à ton Père, Seigneur, tu associes notre humanité à toi. Béni sois-tu, Seigneur, de cette grâce, un signe que nous ne méritons pas, qui est tout simplement l'œuvre de la gratuité de ton amour. Sois béni, Seigneur, notre Roi. Sois béni, notre Père. Sois béni, notre Jésus d'amour. Sois béni de ce que tu nous as aimés comme personne ne pourra nous aimer. Sois béni de ce que ton amour transcende les cieux et embrasse l'univers et bien au-delà, puisque tu contiens toutes choses. Béni sois-tu pour ton amour qui est plus haut que l'on ne peut le surmonter, qui est plus bas que l'on ne peut le renverser, qui est le plus large qu'on ne peut le côtoyer. Seigneur, merci pour ton amour divin. Viens mettre en nous, insuffler en nous cet amour pour que notre vie soit ta propre vie. Béni sois-tu, Seigneur. Tu as dit, celui qui m'aime, mon Père l'aimera, nous viendrons chez lui et nous ferons de lui notre demeure. Nous attendons, Seigneur, que tu viennes faire de nos cœurs ta demeure, que tu viennes faire de nos vies ta propre vie. Seigneur, viens marcher en nous, viens parler en nous, viens réfléchir en nous, viens prier en nous, viens manger en nous, viens converser en nous, viens regarder en nous. Jésus d'amour, viens tout faire en nous pour que ta vie continue à couler dans les créatures et pour que le ciel soit réconcilié à la terre. Que ta miséricorde à cette heure, Seigneur, coule sur toute l'humanité, qu'elle coule sur chaque famille, toutes les familles en détresse, qu'elle coule, Seigneur, sur toutes les âmes qui te cherchent avec droiture, qu'elle coule sur tous ceux qui veulent vivre pleinement ta vie en s'unissant à ta vie divine. Sois béni, Seigneur, notre Roi. Sois béni éternellement. Nous t'aimons, Jésus. Nous t'aimons. Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons de tout notre cœur. De tout notre cœur, nous t'aimons, Jésus. Nous t'aimons. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel. Prends pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel. Prends pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel. Prends pitié de nous. Et du monde entier. Ô et sang jaillit du cœur ouvert de Jésus comme source de miséricorde pour nous. J'ai confiance en toi. Oui, Seigneur, nous avons confiance en toi. Nous avons confiance en toi. Nous avons confiance en toi. Bénis-nous et garde-nous dans ta paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, à tout de suite pour la petite causerie. Et ce que vous entendez, c'est le notre Père en Swahili, le Baba Yetu.
Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue de tout cœur. Soyez bénis, soyez infiniment bénis. Je ne sais pas comment vous l'exprimer, frères et sœurs d'amour. Que Jésus fasse descendre sur chacun de nous, l'immensité de sa propre vie. Frères et sœurs d'amour, c'est fou comme nous sommes aimés de Dieu. C'est fou comme nous sommes aimés, frères et sœurs. C'est, je ne sais pas quoi dire, les mots me manquent, frères et sœurs. Mon cœur est rempli de ce désir de dire un peu ce que je ne suis pas capable de dire. C'est ça, en fait, le problème. Vous avez en face une réalité que vous ne savez pas décrire. Bon, c'est inouï quand on lit et médite la Bible, quand on lit et médite les écrits de Jésus à Luisa, on est tout simplement renversé, on est inondé de cette présence d'amour de Dieu qui est, frères et sœurs d'amour, la propre vie de Dieu qui nous est communiquée. Frères et sœurs, aimons Jésus, je ne sais pas comment vous le dire, aimons notre Seigneur, aimons-le de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos forces. Je nous en supplie humblement, je nous en supplie humblement. Frères et sœurs bien-aimés, nous continuons aujourd'hui les rondes de la vie de notre très saint Seigneur. Nous nous sommes arrêtés hier sur sa vie en Égypte, tout ce qu'il a vécu en Égypte en relation avec le royaume qui vient. Lorsqu'il a prêché à ses enfants de son âge, et lorsqu'il leur a communiqué la vérité sur la vie du ciel en leur demandant de laisser leur cœur s'ouvrir à cette grande présence de Dieu et d'avoir le regard continuellement tourné vers leur Créateur. Nous avons béni, remercié, adoré et aimé le Seigneur pour ces instants où il a engagé une prédication qui a touché les âmes de ses enfants qui sont revenus le lendemain. Frères et sœurs d'amour, Jésus après rentre et il va vivre quelque chose de particulier à son retour. Hérode est décédé. L'évangile ne nous dit pas plus, sinon qu'après, frères et sœurs d'amour, on le retrouve au temple à l'âge de 12 ans. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous t'adorons, nous te glorifions dans la divine volonté, au nom de tous et pour tous, pour chaque parole que tu as prononcée dans le temple et qui a ébloui les docteurs de la loi et qui étaient stupéfaits, extasiés devant ton intelligence, qui venait non pas de ce que tu voulais impressionner, mais qui venait de ce que tu voulais leur communiquer, même la vie de ton Père, la vie du ciel. Jésus, nous t'aimons, nous t'adorons, nous te remercions pour ton héroïque obéissance à ton Père, lorsque tu as dit à tes parents que tu devais être au service de ton Père. Merci Seigneur, parce que l'âge n'a pas été déterminant dans ton œuvre, puisqu'à chaque moment, Seigneur, tu œuvres et tu continues encore à œuvrer, comme tu nous le dis dans ta parole. Ton Père est au travail et toi aussi tu travailles. Et depuis tout petit, tu as travaillé, Seigneur. Et dans le temple, à 12 ans, tu sens en toi la nécessité de pouvoir communiquer cette vie, cette mission de salut que Jésus, que ton Père t'a confié, et tu ne te retiens pas. Et tu amènes les docteurs de la loi à comprendre que la loi était une préparation de ta venue. Seigneur, merci infiniment, Seigneur. Merci pour ensuite, parce que tu es retourné avec tes parents à Nazareth. Seigneur, je te remercie, je te loue, je te bénis de ce que tu as en silence obéi à tes parents. Tu les as suivis. Ils sont allés avec toi. Tu aurais pu dire, je reste dans le temple puisque je dois être au service de mon Père. Mais tu as voulu être un homme comme chaque homme obéissant à ses parents. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te remercions. Nous te rendons grâce. Nous t'adorons. Nous t'aimons au nom de tous et pour tous dans ta divine volonté d'avoir ainsi permis, ô notre roi, d'être le modèle de l'enfant dans la famille. Nous te remercions, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, ô Jésus, notre Sauveur, de ce que tu as ainsi manifesté d'une manière forte le sens de la famille. Nous te prions et te supplions de nous pardonner pour le sens bafoué de la famille dans lequel aujourd'hui nous voterons et qui est à l'origine de la
déroute de notre humanité. Nous te remercions, Seigneur, de ce que tu as ainsi voulu consolider toute famille humaine et donner à chaque membre de la famille sa place. Tu as voulu rester un enfant. Nous t'aimons, nous t'adorons, nous te bénissons et nous te remercions au nom de tous et pour tous, Seigneur, pour ce moment particulier de ton obéissance. Jésus d'amour, nous voulons une fois retourner à Nazareth, te contempler dans les moindres petits actes de ta vie. Et comme tu le dis à ta servante, tu as refait la vie de toutes les créatures dans les moindres actes de leur quotidien. Manger, s'habiller, balayer, travailler, avoir une conversation, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Tu l'as fait, Seigneur, de manière régulière, de manière systématique, de manière surtout ordinaire, sans tambour ni trompette. Tu n'as pas claqué le doigt et tout a été fait. Tu as appris le métier du bois avec ton père putatif, Saint-Joseph. Tu as appris à balayer la maison avec ta maman. Tu as appris à faire des courses. Tu as tout fait, Jésus d'amour. Tu es allé chez le commerçant du coin. Nous te bénissons, nous te remercions, nous t'adorons, nous te glorifions au nom de tous et pour tous dans ta divine volonté pour ces actes du quotidien que tu as posés, sanctifiant et divinisant tous les actes humains, leur donnant une valeur divine et leur permettant ainsi de créer cette chaîne d'amour indispensable entre le ciel et la terre pour que ton règne arrive. Nous te bénissons, nous te remercions, nous t'adorons, Seigneur notre Roi. Nous te bénissons au nom de tous, nous te disons notre amour. Je pose sur chacun des actes de ta vie cachés, Seigneur, notre « je vous aime », notre « je t'adore », notre « je », mon « je t'aime », mon « je t'adore », mon « je te remercie » au nom de tous et pour tous. Seigneur, Roi des siècles sans fin, avançons ensemble vers ta vue publique. Je veux te dire merci, Seigneur, te remercier, te rendre grâce, te bénir, t'adorer et t'aimer au nom de tous et pour tous. Pendant ce moment où tu as dit à ta maman que tu devais commencer ta vie publique, ton papa étant déjà décédé. Seigneur, je te remercie, je te loue, je te bénis, je te glorifie. Dans ta divine volonté, je t'aime au nom de tous et pour tous, Seigneur, pour la séparation douloureuse d'avec ta mère lorsque tu as commencé ton ministère de prédication de l'Évangile. Seigneur notre Roi, je te supplie humblement, accorde-nous la grâce de savoir obéir à Dieu et de nous détacher des affections humaines, quelles qu'elles soient, Seigneur, pour que uniquement ta volonté soit faite dans nos vies. Donne-nous la grâce de vivre pleinement toutes les affections humaines en toi. Seigneur, de retrouver en toi toutes les affections humaines dont nous sommes détachés, cette fois-ci divinisées. Divinise nos affections, Seigneur. Rends-les aussi pleinement, totalement et radicalement unis à tes affections, à toi. Que nous aimions de ton amour, Seigneur. Que nous aimions de ton amour et que rien ne nous empêche de faire d'abord et avant tout la volonté de Dieu et que nous retrouvions tout en lui. Béni sois-tu, Seigneur, Roi des siècles sans fin. Je t'aime, je te remercie, je te bénis, Seigneur, au nom de tous et pour tous, je t'adore, pour les eaux du baptême dans lesquelles tu as été plongé. Je te remercie, je te loue, je te bénis pour cet instant particulier où tu sors de l'eau, où le Saint-Esprit descend sous la forme d'une colombe, se pose sur toi. Et on entend la voix de ton Père dire, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma confiance. » Nous te remercions, Seigneur. Je pose sur chaque mouvement de Jean-Baptiste, sur chaque acte, mouvement, geste d'obéissance de ta part, dans ses bras de baptiste. Je pose sur chacun de ces gestes, Seigneur, mon « je t'aime », mon « je t'adore », mon « je te remercie » au nom de tous et pour tous dans ta divine volonté. Te supplions ainsi, Roi des siècles sans fin, de nous accorder la grâce, comme tu l'as dit à Jean-Baptiste, de nous laisser faire pour que toutes choses soient accomplies. Libère-nous de toute prétention.
tu étais Dieu, tu aurais pu dire à Jean-Baptiste, effectivement, c'est moi qui vais te baptiser. Mais tu t'es laissé faire, Seigneur. Donne-nous cette grâce, nous te supplions humblement de pouvoir accueillir ta volonté dans nos vies sans prétendre quoi que ce soit de nos mérites. Nous te prions, Seigneur, nous te remercions, nous t'adorons, nous t'aimons de tout notre cœur, au nom de tous et pour tous, pour cet acte d'obéissance dans le baptême, dans les eaux du Jourdain. Je t'aime, Seigneur, je te remercie, je t'adore, je te glorifie, je te bénis pour les 40 jours que tu as ensuite passés au désert. Et dans le désert, les tentations que tu as vécues, les tentations contre lesquelles tu as lutté et auxquelles tu as résisté pour remporter la victoire. Je t'aime, je place sur chacune de tes paroles adressées à l'ennemi mon je t'aime, mon je t'adore, mon je te remercie pour, au nom de tous et pour tous, pour ces paroles de vie, Seigneur, qui ont été libératrices. Et en résistant aux tentations, tu as permis que notre humanité résiste au mal. Tu nous as donné la capacité de résister à la tentation. Je t'aime, je te remercie, Seigneur, pour chaque jeûne, moment de jeûne que tu as éprouvé, pour chaque moment de douleur que tu as éprouvé dans ce long jeûne de 40 jours. Je t'aime, je t'adore, je te remercie, je te loue au nom de tous et pour tous, Seigneur, pour ce moment de combat spirituel dans lequel tu as entraîné l'humanité et lui a permis de remporter de manière définitive la victoire. Seigneur notre Dieu, je t'aime, je te loue, je te remercie et je te bénis. Pour ensuite, pour les miracles que tu as accomplis, ton premier miracle à Cana, lorsque tu as changé l'eau en vin, transformant ainsi 600 litres d'eau en 600 litres de vin. Seigneur, nous te disons merci, nous t'aimons, nous te remercions, nous t'adorons, te glorifions, nous, au nom de tous et pour tous, pour ce moment particulier de la fête où tu as donné aux mariés de comprendre, ô notre roi, combien tu étais le seul capable de leur donner la véritable joie. Puisqu'à la fin, ils se posent la question, mais ne servons-nous pas d'abord le bon vin, et ensuite, quand tout le monde a bu, on sait le moins bon. Comment se fait-il que le meilleur vin est arrivé après? Oui, Seigneur, tu nous as ainsi dit que le seul vin capable de nous rassasier, de nous combler, c'est toi. C'est ta volonté divine. Et lorsque nous nous accrochons prioritairement à notre volonté, nous mangeons, nous buvons du vin frelaté. Et nous sommes ainsi intoxiqués par notre volonté propre et par la vermine de nos péchés. Oui, Jésus d'amour, tu veux nous donner ton propre vin à toi. Oui, Jésus, nous t'aimons, nous te remercions, nous te bénissons pour chaque goutte de vin de ces 600 litres qui préfiguraient ton sang, en quelque sorte, que tu déverserais pour la vie, pour l'ivresse éternelle de l'humanité, associée à ta vie divine. Je t'aime, je te remercie, je te loue, je te bénis, Seigneur, pour chaque fût de vin que tu as ainsi, pour chaque convive qui est ainsi en goûtant ce vin qui devait animer la fête pendant près d'une semaine. Va, Seigneur, les réjouir et leur donner de te rendre grâce, parce que tu es le seul véritable capable de nous donner le vin éternel qui est ton propre sang. Sois béni, Seigneur. Nous t'aimons, te remercions, te glorifions, te bénissons dans ta divine volonté, au nom de tous et pour tous. Pour les miracles que tu as opérés, Seigneur, et que nous n'avons pas connus, que l'Évangile ne nous a pas rapportés. Nous te bénissons pour chacun de ces miracles-là. Nous voulons te bénir, Seigneur, t'adorer, te remercier, au nom de tous et pour tous dans ta divine volonté, pour le choix des 12 apôtres. Et plus tard, du choix des 72 disciples, lorsque tu leur as confié la mission de prêcher l'Évangile, de guérir les malades et de chasser les démons. Je t'aime, je te remercie, je te bénis, Seigneur,
pour ces apôtres que tu as choisis pour qu'ils continuent ton Église. Nous t'aimons, nous te remercions pour toutes les paroles de consécration que tu as prononcées sur eux. Nous posons sur chacune de ces paroles notre « je t'aime », notre « je t'adore », notre « je te rends grâce ». Au nom de tous et pour tous, dans un retour parfait d'amour dans ta divine volonté, pour que ces âmes que tu as choisies soient des véritables torches ardentes, brûlantes de ton amour, qui embrasent l'univers du feu de ton esprit. Oui, nous te supplions, Seigneur, accorde à nos prêtres, accorde à tous ceux qui portent ton nom, la grâce d'être complètement enflammés, embrasés de toi, ô Jésus de mon cœur. Je t'aime, Seigneur, je te bénis, je te rends grâce, je te remercie pour le pouvoir que tu leur as donné aux apôtres de chasser les démons, de guérir les malades et de ressusciter les morts. Seigneur, nous te disons merci, nous te disons nous t'aimons, te disons nous t'adorons, te disons nous te glorifions, Seigneur, pour tant de grâce. Et nous te le disons au nom de tous et pour tous. En toi, Seigneur, et te supplions humblement de nous accorder la grâce de comprendre jusqu'où, Seigneur, notre roi, tu attends de nous que nous soyons un autre toi pour pouvoir accomplir toutes choses en nous. Puisque tu as dit, celui qui m'aime, mon Père l'aimera, nous viendrons chez lui, nous ferons notre demeure, de lui notre demeure, que nous soyons le réceptacle de ta présence, les tabernacles vivants du Dieu trois fois saint. Et c'est toi aussi qui as dit, Seigneur, celui qui croit en moi fera des choses que j'ai faites et même de plus grandes, car je retourne vers le Père. Seigneur, je t'aime, je t'adore, je te remercie de ce que tu veux, que nous soyons en tout semblables à toi. Sur chaque mot que tu as prononcé, chaque promesse que tu as faite à tes disciples, à tes apôtres, que tu continues encore à faire aujourd'hui à ton Église, je place mon « je t'aime », mon « je t'adore », mon « je te remercie » au nom de tous et pour tous, dans ta divine volonté. Pour que ton règne vienne et qu'advienne ta volonté sur la terre comme au ciel. Je veux te remercier, Seigneur, te bénir, te glorifier, t'adorer, t'aimer pour toutes les paroles que tu as prononcées dans ton premier enseignement sur la montagne des béatitudes. Merci, Seigneur, pour le sermon sur la montagne. Merci au nom de tous et pour tous pour chaque béatitude que tu as prononcée, qui était la règle de vie, la charte du paradis que tu étais venu inaugurer par ta présence et ton incarnation. Sur chaque béatitude, Seigneur, je pose mon « je t'aime », mon « je t'adore », mon « je te remercie », mon « je te bénis », mon « je te glorifie », au nom de tous et pour tous, pour que ces béatitudes s'incrustent au tréfond de l'âme humaine et lui permettent de vivre déjà ici-bas, Seigneur, les promesses du royaume. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu éternellement. Je t'aime, Seigneur. Je te remercie, je te bénis pour les paraboles que tu as prononcées, ces paraboles qui étaient porteurs de sens, le sens de la vie, que tu es venu, Seigneur, nous communiquer. Sur chacune des paraboles, sur la parabole du semeur, la parabole de l'homme riche, la parabole de Lazare, la parabole de l'enfant prodigue, sur tous les enseignements que tu as faits en parabole, Seigneur, je place, mais je t'aime, mais je t'adore, mais je te glorifie, mais je te remercie au nom de tous et pour tous dans ta divine volonté, Seigneur. Jésus d'amour,
Nous voici devant toi, Seigneur. Agrée nos supplications et nos prières, nos actions de grâce que nous faisons en toi et par toi. Et augmente notre foi, notre confiance en toi, Seigneur. Nous voulons n'être qu'à toi. Nous voulons n'être qu'à toi. Seigneur, sur tout ce que tu as opéré pendant ta vie publique, nous plaçons notre action de grâce, nos remerciements, notre amour. Seigneur, nous voulons placer sur la grande prière que tu nous as enseignée notre gratitude, notre adoration, notre amour. La grande prière du Notre Père, où tu nous demandes de supplier ton Père de faire advenir son règne sur la terre comme au ciel. Sur chaque mot de cette prière, nous te disons merci. Nous plaçons notre merci. Nous t'adorons. Nous plaçons notre adoration, notre action de grâce. Et au nom de tous et pour tous dans ta divine volonté, reçois un retour d'amour parfait, Seigneur, pour chaque mot de ces prières que tu nous as communiquées, de cette prière que tu nous as communiquée. Nous t'aimons, Seigneur, notre roi. Nous t'aimons. C'est la prière des prières où tu nous dis, oui, Jésus, où tu nous dis, Seigneur, que tu as tout accompli pour nous et qu'il ne nous reste plus qu'une seule chose. Inviter le ciel sur la terre. Nous t'aimons, nous t'adorons, Seigneur. Te bénissons, toi notre Sauveur, qui est comme toi, Jésus, qui est comme toi. Oui, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Oui, Seigneur, sur chaque lettre de cette prière, nous te disons merci. Nous plaçons notre merci, notre nous t'aimons, notre nous t'adorons, notre nous te glorifions. Merci Jésus, merci pour cette prière que tu nous dis qu'elle sera exaucée, coûte que coûte. Nous t'aimons Seigneur. Pour toutes les répétitions de cette prière à travers les âges, toutes les âmes, des milliards d'hommes qui ont prié cette prière et qui continuent à la prier, nous te disons un infini merci. Parce qu'en disant cette prière en toi, nous multiplions ta vie ici-bas, Seigneur, et nous te rendons grâce, te bénissons de ce que Jésus, tu as tout accompli, tu as tout accompli. Sois béni, Seigneur. Sois béni, notre roi. Sois béni éternellement. Qui est comme toi, Jésus, qui est comme toi. Magnifique en sainteté, auteur de prodiges. Tu opères des merveilles. Sois béni, Jésus, notre sauveur. Sois béni, Seigneur, notre roi. Sois béni, Seigneur, Jésus d'amour. Sois béni éternellement. Sois béni. Te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions. Dans la multiplication des pains et des poissons, qui ont nourri des milliers d'hommes et de femmes, sans compter les enfants. Te remercions, nous t'adorons, nous te glorifions pour les miracles, le miracle de l'aveugle de naissance, pour, au nom de tous et pour tous, pour la résurrection de Lazare. Et sur chacun de vos nombreux miracles, Seigneur, nous plaçons nos « Je vous aime, je t'adore, je te remercie ». Sois béni, Seigneur. Sois remercié et sois glorifié. Sois béni, sois remercié et sois glorifié. Nous t'aimons, Jésus, notre Sauveur. Nous t'aimons de tout notre cœur. T'aimons de tout notre cœur. Sois béni, au nom de tous et pour tous, sois béni, Jésus. Sois béni. Jésus, mon Sauveur, Jésus, mon Roi.
J'entends ma prière qui monte vers toi. Ô Seigneur, entends mon chant. C'est toi que je cherche le jour et la nuit.